Pour moi, David Allen, c'est un génie. Un maître à penser, un illuminé. C'est notre père à tous, j'ai envie de dire. C'est la promesse d'un autre monde qui s'appelle la planète verte. Pour son public, on va à ses concerts comme on va à la messe. Vieux hippie, musicien visionnaire, performeur avant-gardiste ou gourou casse-culte, David Allen, le créateur de Gong, vit depuis trois quarts de siècle dans un monde parallèle. Hier soir, pendant le concert, j'ai dit à tous les amoureux de la musique qui pensent qu'on fait de la musique sérieuse, on dirait que ça a fait marrer les gens. Mais ce qui est important, parce que je médite beaucoup et parce que peut-être que quelque part, Gong est une idée spirituelle, si je ne rigole pas de ce que je fais, les gens risquent d'assimiler ça à une religion. Et ça serait un désastre. Et personne ne veut plus de religion. Il y a déjà assez de religions comme ça, elles ont toutes bien merdé. Alors, je veux pas que ça devienne une religion. We come from a planet called the planet Gong, and it's a lovely green planet right over at the back of the sky. And the astronomers have never discovered it. Quand le vaisseau Gong se pose sur la Terre en 69, la bande de lutins qui en sort semble évadée d'une acide partie californienne. Pourtant, à la façon d'un Sun Ra, le space rock inventé de toutes pièces par l'Australien David Allen, alors âgé de 31 ans, est une vraie machine de guerre. Par une bande de musiciens accros au rock progressif et au free jazz, Gong a une mission et David une vision. Qui êtes-vous? J'ai entendu des voix. Alors je leur ai dit, qui êtes-vous? Elles m'ont répondu, nous sommes de la planète Gong. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit. Elles ont fait, on va t'utiliser pour toucher le cœur des gens et les rendre optimistes dans cette société pessimiste et déprimée. On va leur donner de nouvelles idées, les pousser à devenir des artistes, à apprécier la créativité. Alors j'ai dit, super, merci beaucoup, vous auriez fait quoi à ma place? La surprise, c'est que Gong survit à toutes les modes, prenant selon les époques des reflets punk, électro ou hip-hop, jusqu'à ce rap psyché, issu de leur dernier album et réalisé par David Allen en personne. L'industrie musicale est la pire forme de capitalisme. Et c'est pour ça que je lui ai toujours craché dessus. Pour cette raison, j'ai toujours fait en sorte de tout gâcher. Je leur ai toujours donné du fil à retordre. J'ai signé avec trois compagnies de disques différentes et je les ai laissées en plan. Je n'ai aucun respect pour l'industrie musicale et elle n'a aucun respect pour moi. Malgré tout, je continue mon chemin. Je crois que ça les ennuie vraiment, ça les agace terriblement de ne pas avoir réussi à détruire Gong. Avant de devenir le gourou du rock planant, David fait ses armes en Australie où il naît en 38. Fasciné par le free jazz, il se plonge dans les écrits des poètes de la Beat Generation comme Allen Ginsberg ou William Burroughs, devenus les apôtres du mouvement hippie et de la libération sexuelle. Dans les années 50, Melbourne était une ville très coincée. C'était minuscule. J'étais un beatnik et il n'y avait que 6 autres beatniks comme moi. Je me sentais un peu seul. Je ne pouvais pas partager mes idées. J'ai compris qu'il fallait que je parte pour m'accomplir. Je voulais aller où les nouvelles idées artistiques se développaient. À 21 ans, David Allen débarque en Angleterre et trouve refuge dans la pension familiale des Wyatt. Le cadet des Wyatt, le jeune Robert, qui sera bientôt l'autre idole du rock progressif, prend alors David pour modèle. Ensemble, ils créent le groupe de rock psychédélique Soft Machine en 66, tirant son nom d'un roman de William Burroughs. 2 ans plus tard, Soft Machine part en tournée en France. À leur retour, David l'Australien se voit refuser son visa et reste coincé à Paris. De loin, il observe son propre groupe qui enregistre son premier disque et cartonne de l'autre côté de la Manche.
il est temps d'activer le plan B. J'ai piqué le bassiste et le batteur de Claude François. J'avais pas le choix, fallait que je fasse un gros coup. J'ai eu beaucoup de chance. C'était d'excellents musiciens, ils étaient tous les deux très bons. Ça a été les premiers musiciens de Gong. Épaulé par la crème des musiciens parisiens, David et sa troupe de beatnik s'isolent du reste du monde à grand renfort d'hallucinogènes dans une ferme près de Sens, à quelques heures de Paris. Gong est né. La communauté dans laquelle on vivait en France ressemblait à une communauté d'ermites. Tous les soirs, on se réunissait autour de la table et on discutait. On discutait philosophie, religion, ésotérisme, tout ce qui nous passait par la tête. On était un groupe de personnes intelligentes, on découvrait des tas de sujets passionnants. On était là pour essayer de trouver une nouvelle manière de vivre sur la planète. C'est une école de vie, cette maison. C'est une école de vie. C'est aussi une espèce d'hôpital psychiatrique pour les musiciens anglais. Faut la faire, la planète Gong. Faut la façonner comme une balle. Il faut utiliser les drogues comme un instrument, comme une guitare ou un truc du genre. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages à jouer du trombone, mais il y a aussi des inconvénients. Tu regardes tout ça et tu choisis d'en jouer en connaissance de cause. C'est pareil avec les drogues. Tu observes, tu vois les avantages, les inconvénients, et tu les utilises pour les avantages tout en gérant les inconvénients. Mais si tu gères pas les inconvénients, t'es dans la merde. C'est dans cette ferme que Gong accouche de la Radio Gnome Trilogy, aujourd'hui considérée comme un monument du rock progressif. En pleine vague psyché, les frères pétards du monde entier décollent de leur canapé et les disques de Gong se vendent par cargo. J'ai quitté Gong en 1974 parce qu'on avait trop de succès. J'étais en train de perdre mes amis. Je me perdais moi-même. Et j'aimais pas l'ambiance. Quand tu fais partie d'une grosse maison de disques, la cocaïne débarque. Plein de mauvais feelings et d'étranges réactions. J'ai pas aimé l'atmosphère qui régnait dans le business, alors je suis parti. En 75, alors que le monde des hippies s'écroule, David s'exile à New York et invente le psyché punk avec New York Gong. Quarante ans plus tard, la planète Gong est toujours sur orbite et le roi David bien vissé sur son trône. Well, I went into the lavatory for to take a splash. And I stood well back from the stainless steel. In case my brand new Daxite splashed.